métabolique d'un super vilain, sans une série de bombes dispersées un peu partout. Désamorce toutes les bombes pour remporter le défi. Agis vite pour marquer plus de points. Accroche-toi au point de départ pour commencer. Ok. On va désamorcer ces bombes. Si tu parviens à éloigner les cartes de la bombe, tu pourras la désamorcer sans qu'il te voie. Patrouille, initialisée. Bruit, détecté. Heureusement que ces bombes sont pas réelles. Essaie d'éloigner les gardes, et ensuite, faufile-toi pour désamorcer les bombes. Je dois les éloigner de la bombe. Réacquisition du suivi visuel. Super, Véline. Les gens quand ils me voient faire ces défis. Tiens, c'est encore Spider-Man qui attaque des hologrammes. Il m'a l'air parfaitement équilibré. Sommet gusto. N'oublie pas, ta priorité est de désamorcer les bombes sans être vu. Pas besoin d'éliminer tous les ennemis pour réussir. C'était facile.
dois m'assurer que toutes les bombes sont désamorcées. Je sais que c'est des fausses bombes, mais c'est quand même hyper stressant. Spectaculaire ? Ouais, j'ai bien dit spectaculaire. Tu veux faire une entrée remarquée ? Voilà un petit secret. Pimente un peu tes éliminations et elles toucheront plusieurs ennemis à la fois. Ça, c'est une entrée. Pimenter mes éliminations, bonne expression. Faudra que je l'utilise plus. Wow ! Bien joué ! T'as terminé tous les défis ! Alors... Imagine qu'il ne reste plus qu'à... Dévoiler l'ultime défi bonus, super secret. Prends-toi à l'ESU, tu l'ouvres. C'est pas si bien que ça de faire un rire, c'est bien bien. La vache, c'est vrai. Les méchants doivent s'entraîner régulièrement. Nouvelle. En démantelant le labo de Roxanne, on a sérieusement freiné la production des réacteurs. Ouais, super nouvelle. Ils n'ont sûrement pas dit leur dernier mot, mais on vient de sauver un paquet de gens. Je fais mon hot dog de la victoire la prochaine fois qu'on se voit. Ça marche. Merci, Gonki. ESU. Sol sacré. Ma terre nourricière. Je t'ai déjà raconté ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé les cours ici. Approche du point de départ, et profite de l'histoire comme si t'y étais. Oh, ça va être marrant. Nous sommes le jour de la rentrée. Sur ce coup-là. Fred, l'ancien partenaire de recherche, et enseignant à l'ESU. Tu as été tué, et dans l'empêcher. Comme croire, Nice, avec un coup de pied. J'adore les histoires de mystère. Bonjour, Carmen Pass, Spider-Man. Pourquoi tu ne peux pas me laisser quand même mes crimes à les prétentieux en train ? On dirait que ça fait remonter des trucs, c'est Peter, Dimitri Vulture. Métaphoriquement. Qu'est-ce qui m'a fait taire?
battre avec un message. Bonne structure thématique. Entraînement génial! Bravo à Pete pour ses super mécaniques de combat! Les amis, les petits commerçants sont le pilier de la ville. Et J. Jonah Jameson est leur plus fervent défenseur. Mais ils ont aussi un ennemi, Spider-Man. Apparemment, il s'est amusé à interrompre leur ravitaillement à Harlem. Pour en parler, nous avons la propriétaire du Palafuel, un resto du quartier. Bienvenidos, Camille. Gracias, Señor Jameson. Mais il doit y avoir un malentendu. Spider-Man a arrêté les voyous qui nous contrôlaient. Je crois que votre producteur s'est emmêlé les pinceaux. Il voulait absolument parler espagnol. Je sais pas pourquoi. Ah, j'arrête de prendre des cours d'espagnol. Je suis pas sûr qu'il ait une bonne note à son école. Mais dites-moi un peu, avoir un Spider-Man qui combat le crime dans vos mains, ça doit pas être bon pour les affaires. Honnêtement, c'est super. On a des touristes qui viennent dans l'espoir de l'apercevoir. Et quand il y a de la casse, c'est mon mari qui répare. Il s'appelle Jesus. Il a son compte. Le nom de sa boîte, c'est « Appeler Jesus ». Si vous avez un bricolage à faire, n'hésitez pas, c'est votre. Merci, madame. Je pense qu'on a tous besoin de Jésus en ce moment. Surtout Jared, dès qu'on aura lancé la publicité. Lancez la pub! Pas la peine de vous défiler! Cette place et les immeubles autour sont pleins de bruits différents. Celui que tu cherches est cristallin et bien distinct. Cristallin, ok. Par ce temps, moi Spider-Man ! Nouveau costume ? J'adore. Des amis qui m'attendent. Même sans Babiam. Oh ! A plus, Peter Gamin ! Pas de parler, Peter Gamin. On m'attend. Je crois que j'ai vu un carillon. Si j'arrive à m'approcher assez. Quelque chose d'unique. Journée continue. Attention, vas-y. Viens, c'est là. Génial. La voisine est passée avec le projet. A plus, Spidey. Je crois que j'ai vu un carillon. Si j'arrive à m'approcher assez. Ça doit être un son inhabituel en ville. Attention,
C'est pas vrai. Ah non, la lumière est moche. Plus à gauche. Un carillon. Ça doit être ça. C'est sur cette place que j'ai eu ma première mission. Je sortais à peine du lycée, sans masque ni aucun matos. Un type m'a payé pour braquer son patron, juste histoire de le malmener un peu et prendre ce qu'il avait dans son portefeuille. Ton père a tout découvert. Il m'a crié dessus pendant une bonne heure, juste en dessous de ce carillon. Mais il a jamais rien dit à nos parents. Il m'a fait promettre de plus jamais voler. J'aurais aimé tenir ma promesse. Il méritait mieux que ça. Ouais, je regrette aussi. Peut-être que papa et toi, vous seriez restés amis. J'imagine pas tourner le dos à ma famille un jour. La vache, il y a une agression en cours près de là où tu es. Spider-Man a protégé les habitants, mais il ne l'a pas fait seul. Je suis avec Vankili, un résident de Harlem qui a aidé Spider-Man à sauver le quartier. Ça met du baume au cœur d'aider les autres, d'autant plus en découvrant que Wilson Fisk était derrière tout ça. Mettre fin à ces opérations sera un des hauts faits de ma carrière, et celle de Spider-Man. Tu m'étonnes. Alors, comment avez-vous découvert ce complot? En parlant aux gens du quartier. Ils se serraient tous les coudes, et ça nous a nous-mêmes permis de les aider. Théo, Caleb, Camilla, Ellie, Steph, Gloria. Si vous m'entendez, merci à vous. Tu devrais t'amuser avec celui-là. J'avais un client régulier que je retrouvais ici. Et j'avais l'habitude d'attendre, d'écouter les sons qui revenaient de manière régulière. Un son qui respecte un horaire. Le client que je retrouvais ici prenait souvent le ferry de Jersey. Il payait bien, jusqu'à ce qu'il se fasse coincer. C'est à cause de lui que ton père a découvert le rôdeur. Pas moi personnellement, mais le voleur qui commençait à se faire une petite réputation à New York. Et ton père s'est proposé pour prendre l'affaire. Je sentais les taux se resserrer. Je me demandais ce qui serait le pire. Et tout lui dire, que ce soit lui qui me démasque. Si ça avait été moi? Je sais pas ce que j'aurais fait. Mais ça peut pas être pour ça que papa a coupé les ponts. Pas s'il avait avoué. C'était pas le genre de papa. Hey, petit gars. T'as presque tout récupéré pour faire ce morceau. Maintenant, tu vas pouvoir te rendre là où se trouve le dernier élément. Je te souhaite bon courage. C'est à Harlem. Je me demande où est le dernier élément. Président, tu vas payer le garage, toi. C'est fou de ton père.
2, 6, 5, 8. C'était bien ça. De la matière programmable. Je pourrais en faire n'importe quoi. Oh, c'est trop cool. Ça devrait aller. Je devrais remercier Danica pour le tuyau. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de répondre à certaines rumeurs en vogue dans les bars miteux de la ville, selon lesquelles Wilson Fisk... Je devrais passer voir Gloria au fils de l'heure. Des échanges de tirs entre l'Underground et Roxxon, pas loin. Oh, je suis un peu jaloux de son repère. Labo ? Non, de sa base secrète. Ma mère lui avait acheté ça au marché Opus. C'était une blague... Mais je me souviens plus pourquoi. Laron garde vraiment un œil sur toute la ville. Ça doit faire des années qu'il bosse à créer son réseau. Séquenceur et sampleur vintage. C'est forcément le matos dont Laron est de papa. Il a toujours été bien meilleur joueur de guitare que moi. Il venait très souvent chez nous pour le dîner. J'imagine qu'il a jamais vraiment appris à cuisiner. Utilise les sons. Un verrou à fréquence ? On n'arrête plus le progrès. Hey, petit. J'espère que cette tenue te va bien. Tu voulais savoir pourquoi ton père et moi on se parlait plus. En fait, il enquêtait sur le rôdeur, et son enquête l'a mené à certains de mes clients, comme Simon Krieger et Wilson Fisk. Il ne peut pas se permettre de s'attaquer à des gens comme ça, pas avec toi, Harry, ou avec toi. Alors je lui ai dit la vérité, espérant qu'il laisserait tomber. Et il a tout laissé tomber. Moi inclus, et pour de bon. Il voulait plus me voir. Je ne veux pas que tu deviennes comme moi. J'espère que cette tenue t'aidera à être meilleur. Prends soin de toi, Spider-Man. Merci, oncle Aaron. Merci pour tout. Les amis. La plupart des gens sont... Regardez par là. Super-héros.
C'était une drôle de façon de m'annoncer que t'étais Spider-Man. J'aurais pu te tuer. Tu veux que je culpabilise parce que toi, t'as failli me tuer? Je veux que tu arrêtes de me mentir. Je t'ai fait entrer dans l'Underground parce que je pensais que tu comprenais. Et je comprends. Ce que Krieger a fait à Rick, Roxxonne doit le payer. Mais pas comme ça. C'est le seul moyen que j'ai de le battre. Tu dois me laisser faire. Je t'en prie. Je peux pas. J'ai fait une promesse. Moi aussi. Pourquoi cet endroit ? Mon père nous a emmenés. Le concert. Cette chorale venant de sept pays. Tu te souviens ? J'ai adoré le Ghana. Il n'y avait pas le Ghana, tu confonds avec la Guinée. Non, je suis sûr que c'était le Ghana. Guinée, Belize, Pologne, Cuba. Corée du Sud, Thaïlande, Venezuela. T'as raison. Comme toujours. Pas toujours. J'avoue que je suis déçu, mon grand. Krieger. Ouais. La jeune Mason. Je savais qu'elle allait m'énerver. Mais toi... J'espérais qu'on serait sur la même longueur d'onde. On est où, là? Tu es derrière le rideau. C'est notre complexe le plus sécurisé. C'est ici que je fais ma tambouille. Vous êtes une ordure, vous le savez, ça. Tu sais, quand son frère et moi mettions au point le Nuform... Vous avez juste mis votre nom sur le brevet. Il disait que tout ce que vous saviez faire, c'était vendre les idées des autres. Au moins, je respire encore, ma puce. Changeons de sujet, d'accord? Alors, pour commencer... Je vais... Waouh! C'est trop génial. C'est volontaire ou c'est un réflexe? La vache, c'est top. Vois-tu, je vais te débarrasser de ce masque. Et je trouverai comment tu fais ça. Parce que tu dégages un parfum de bio-ingénierie ultra avancée. Tu sais ce que ça me rappelle, gamin? L'odeur de l'argent. Bon, c'est l'heure de ma muscu. Aujourd'hui, c'est les jambes. Faites-la avouer où est mon uniforme. Sans ça, on ne peut pas ouvrir la tête. Oh, et servez-vous. Lui. On va finir ce qu'on a commencé sur le pont. Et sans caméra. Wow. Tu vas bien? Ils allaient te tuer. Merde alors. Je suis coriace, pas vrai? Faut qu'on trouve une issue.
Roxanne a gardé Rhino au lieu de le livrer à la police. C'est dingue! Rien ne me surprend plus à propos de Roxanne. Est-ce que ça va? Ça ira, quand on sera dehors. Je désactive la vidéosurveillance. Tu peux regarder l'ordi? T'as trouvé quelque chose? La sortie est là, à l'autre bout de ce bureau. On devra d'abord lever le verrouillage de la base depuis le poste de commande. D'abord, faut qu'on s'échappe de l'aile de sécurité. Je vais jeter un coup d'œil en bas pour voir à quoi on a affaire. C'est verrouillé. La bioélectricité a marché dans la cellule. Ça devrait marcher sur la porte. Si je... Salut, toi. C'est déverrouillé. Je vais de l'autre côté. Je suis au-dessus. On doit sortir par cette porte, mais je vais devoir pirater quelques terminaux pour désactiver l'alarme. Je m'occupe des gardes. Les caméras de surveillance sont HS dans l'aile sud. C'est Rhino qui a dû les désactiver. Il paraît qu'il veut interroger les prisonniers. Je parie que le nouveau, là, il pourrait même faire parler Spider-Man. C'est pas toujours aussi. Il y en a deux plus loin. Comment on a fait pour les avoir? Rhino a retrouvé leur trace? Non, il est trop bête, sans subtilité. Un agent extérieur nous a donné leur position. Conseil d'amis, gaffe à ce que tu dis. J'ai vu pousser à vous trois assistants. Tu l'as pas vu. Je vois pas l'intérêt d'enfermer Spider-Man et Tink. On devrait les liquider. Rigger a toujours un angle d'attaque. Il estime qu'ils ont plus de valeur pour rentrer la puissance. Eric 75, quelle est la situation? Allez vérifier ce qui se passe. Je savais que je pouvais te faire. 5 sur 5, je vais voir. T'as déjà été en poste à la Plaza? Ils enchaînent les heures sup pour que ça ouvre la semaine prochaine. Ils font comme si l'avenir entier de l'entreprise dépendait de ce projet. Je lance un décryptage. Ok, pari pour le prochain ordinateur. J'ai cru voir tout mon pas. Plus besoin d'être délicat. Je ne veux pas Spider-Man. Je te tiens. Le signe est dans les airs. Spider-Man prend dessus! Secouez-vous! Tu vas payer pour ça! J'envoie la sauce! Engagement d'assaut! On dirait une collection d'archives. Hé, Roxanne vous vole vos affaires. Toi aussi, d'après ce qu'on m'a dit. Merci d'ailleurs. Contournement réussi. Il y a un mémo vocal là-dessus. Chef, la police nous a demandé pour Rhino. Qu'est-ce qu'on répond?
Notre contact du Raft crée un programme de réinsertion citoyenne. Dites aux agents que Rhino fait quelques travaux d'intérêt général. Comment ils ont pu leur faire gober ça? La porte est déverrouillée, mais tu dois l'ouvrir. D'accord. Des notes sur les prestataires indépendants de Roxxon. On a besoin d'agents externes pour surveiller Tinkerer et Spider-Man. Tombstone est hors circuit, Black Cat s'est rangé, enfin plus ou moins. Et si le gars en violet, là, comment il s'appelle déjà l'autre? Je ne sais plus. Ah oui, lui il fera l'affaire. Le gars en violet? C'est pas possible. Non, j'hallucine. Plus d'infos sur Rhino. Je sais, il dit qu'il veut raccrocher, mais soyons réalistes. Sans sa grenouillère en métal, personne n'aurait rien à battre de ce type. Améliorer son armure. Si on l'aide à broyer l'araignée junior, il oubliera toutes ses histoires de retraite. Ce mec passe son temps à manipuler les gens. Il faut que je te demande. Pourquoi Tinkerer ? C'est un surnom que Rick m'a donné. Quand il me montrait comment réparer des trucs à l'atelier, il m'appelait comme ça. Ça veut dire bricoleuse. Je sais pas. Ça me fait penser à lui. Tu m'avais jamais raconté cette histoire. C'est cool. Je ne peux pas les laisser partir tant que je n'aurai pas mon uniforme. Ils devraient même pas être là. Ton Gorin devait prendre que la fille. Ouais, ça ne me plaît pas. Je vous explique. Spider-Man est le meilleur levier dont je dispose pour Miss Mason. Je veux dire, vous les avez capturés ensemble. Enfin, c'est toi qui les as eus, mais seulement grâce à tes infos. Alors, je crois qu'on tient le bon bout là. Tu as promis de laisser le petit tranquille. Oncle Aaron ? Le petit. J'adore quand tu dis ça, ça fait tellement paternel. Relâche Spider-Man, et je te ramènerai ton uniforme, des infos sur l'Underground, tout ce que tu veux. Vous voyez ? Un levier. Un faillite. Spider-Man ! Moi aussi j'ai un levier. J'ai vu des choses. Le uniforme qui rend les gens malades. Ce qui est arrivé avec Mason. Si la presse l'a... Mais tu ne diras rien. Parce que tu es un voleur recherché. Et puis avec tous nos antécédents, on nous mettra sûrement dans la même cellule. Et on sait tous les deux que ce n'est pas l'altruisme qui t'étouffe, je me trompe. Donc, nous allons rejoindre Miss Mason et Spider-Man, mais j'ai peur que toi... Tu ne sois pas invité à la fête. Voilà. Bye. Claire. Non. Attends. Je connais ce type. C'est à cause de lui qu'ils nous ont capturés. Non. Je savais qu'il travaillait avec Roxxon, mais... J'aurais pas cru qu'il me livrerait comme ça. J'y crois pas. Tu m'as attiré dans un piège. Pourquoi je continue à t'écouter? Fille, non. Il doit y avoir une explication. Je savais pas que ça allait arriver. C'est bon. Arrête. Ils ont lancé un verrouillage. Il faut qu'on rentre dans ce poste de commande. Donc on doit passer de l'autre côté de ce volet. Il y a un panneau de maintenance ici, mais il faut l'alimenter. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, t'as l'électricité. Relax. Ah, je peux pas bidouiller le rideau, mais je peux déplacer les machines, comme cette grue. Ça nous sera peut-être utile. Je vais regarder le reste. C'est ici qu'ils construisent des moteurs pour leur blinder. Hé, je peux faire descendre et monter cette grue. Ça t'aide ? La grue est au-dessus de cette espèce de moteur maintenant. Cette espèce de moteur, j'ai une idée. Tu peux
déplacer la grue vers la chaîne de montage? Ouais, je crois que je vois ce que t'as en tête. Ok, ce laser devrait activer le moteur. Ah, merde! Le laser a lâché. Je dois pouvoir rediriger le courant. Le laser a court-circuité, mais il marche toujours. Il faut une nouvelle source d'alim. Super. Mes toiles conduisent bien l'électricité. Je pourrais lancer ces toiles sur ces connecteurs pour réalimenter le laser. Cette vitre est dans le chemin. Connecteur sur la grue. C'est bon. Lance le laser. Et un laser. Parfait. Si je surcharge le moteur, ça va exploser. On a justement besoin d'une explosion pour détruire ce rideau. À terre! Allons-y, on y est presque. Voilà notre sortie. Il me faut quelques minutes pour l'ouvrir. Apparemment, ils ont deviné notre plan. Ça t'étonne? Il n'y a qu'une seule issue. Ok, je vais m'occuper des gardes. Toi, tu ouvres la porte. Juste un truc. T'as jamais eu envie de m'appeler pour me dire que t'étais Spider-Man? Tu sais, quand mes parents sont morts, Rick a dû pratiquement remplacer mon père. Je croyais que ça me manquerait d'avoir un frère, mais je t'avais, toi. Finn, je... Ouvrez-moi cette porte! Elle va finir par lâcher! Vas-y! Je m'en sortirai, sauve-toi! Ces types avec des lumières sur leur casque ont des capteurs de chaleur. Ils peuvent te voir quand tu te rends invisible. Je me demande combien de budget ils consacrent à la recherche, rien que pour nous compliquer la vie. Probablement des millions de dollars défiscalisés. Va faire le ménage. Je désactive la sécurité qu'on puisse sortir. J'ai encore accès aux machines, que je déplace quelque chose. Ça va, toi? Ouais, tes toiles retiennent la porte. Mais toute la base est en alerte, alors fais gaffe. On commence à avoir du sacré matériel. Cette base n'a qu'une seule sortie. Ils vont forcément passer par là. J'en sais rien. L'erreur est fou. Ça va laisser une trace. Quelle est la situation? Allez vérifier ce qui se passe. Entendu, je m'en charge.
Je sais que tu me fais pas confiance. Ouais, je confirme. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Arrête de mentir. Et arrête de penser que j'agis sans réfléchir. Personne ne sera blessé quand je détruirai la plaza. Personne à part Roxxon. Tu sais qu'il le mérite. Écoute, promets-moi de pouvoir en discuter. Je t'écouterai, je te jure. Je t'écouterai vraiment. Ma décision est prise, Miles. Il faut que tu l'acceptes dès maintenant. Alors, je serai obligé de t'arrêter. Faut que tu l'acceptes dès maintenant. Non ! J'y suis. Retrouve-moi dans la salle d'expo au bout de la chaîne de montage. Tu viens ? Ils ont verrouillé les portes, on dirait. Je trouverai un autre moyen. Si on prévenait les médias de la mort de Rick. T'as des preuves ? Parce que je doute que les gens se laissent convaincre par deux justiciers. Y a forcément un moyen. Ça doit être la sortie. Hé ! C'est à toi ? Merci. Je connais cet endroit. C'est le labo de Krieger. Krieger a un labo ? Ouais, mais juste pour faire genre. Rick m'a montré une photo un jour. Le labo de Krieger. Attends. Toutes les données du projet Nuform sont là. Rapport de toxicité, test de sécurité raté, et le nom de Krieger est partout. Avec ça, on peut détruire Roxxon. Merde ! T'aimes ma nouvelle couleur ? À l'épreuve de tes petits zip-zap-zop. Zip-zap-zop ? T'es sérieux, là ? Maintenant, finis son temps ! Occupe-toi, Trino ! Je prends les gars ! On va faire un petit tour ! Mets son armure ! Tu es un digne adversaire ! Je t'offrirai une mort valable ! Une mort valable ? Je prends l'idée à lui ! Toi, mets son armure ! Continue de te relever, je continuerai de te mettre à terre. Oh. Mais moi, j'ai besoin de te mettre à terre qu'une seule fois. Vous vous en sortirez jamais vivant. Occupe-toi, Trino ! Je prends les gardes ! On va faire un petit tour ! Mets son armure ! Tu es un digne adversaire ! Je t'offrirai une mort valable ! Une mort valable ? Trino va activer son armure ! Je continuerai de te mettre à terre. Oh, mais moi, j'ai besoin de te mettre à terre qu'une seule fois. Alors pourquoi est-ce que t'as l'air
l'air si fatigué. Mon armure high-tech a l'air un peu cassée, Rhino. L'armure de Roxxon est désactivée. Vas-y. Ça marche. T'es prêt pour mes zigzags? Tu m'énerves. T'arrêtes pas. On va être brisé. Cette femme est féroce. Ouais. Tu vas dire. Il est dans les gammes. On le tient prêt. Attends. Surveille-le quelques instants. Je reviens tout de suite. Les données de Krieger vont faire plonger Roxxon. Sans violence. Tu sais, Krieger m'a dit comment ton frère était mort. Très amusant. La ferme. Il m'a dit aussi que c'était ta faute. Krieger a modifié le réacteur. Il a essayé de le surcharger pour être dans les temps. Si Finn fait ce qu'elle avait prévu, c'est pas vrai. Harlem. Tu l'as regardé mourir. Sans rien faire. Non, non, non. Va en enfer. Ma famille est morte. Okay. J'ai besoin d'aide. Je vais aller chercher une serviette et des antibiotiques. Ok. Miles, où tu étais? Pero que pasó? C'est quoi ça? Il faut que je te dise quelque chose. Finn veut détruire la plaza. Ouais. Tu la poursuivais à travers la ville déguisée en Spider-Man. Tu aurais pu mourir. Je n'en reviens pas. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tout ça? On a toujours parlé de comment te protéger. Mais ça... Je voulais pas t'inquiéter. L'autre Spider-Man est parti, et moi, j'ai fait qu'empirer les choses. J'ai fini par te décevoir. Miles, quoi que tu fasses, ou qui que tu sois, rien ne pourra jamais m'empêcher de t'aimer. Nada. Tu me rends plus forte, Miles. Pour moi, c'est ça un vrai héros. Quelqu'un qui se bat pour les gens qu'il aime.
quelqu'un qui n'abandonne pas. Gloria s'occupe du Fist, et Théo nous aide pour le porte-à-porte. C'est parfait. On peut commencer l'évacuation. Je te retrouve dehors. Chaque jour, tu me rappelles un peu plus ton père. Fais attention à toi. Promis. Miles, je vais dire aux gens de Harlem qu'il faut évacuer, puis je ferai du porte-à-porte avec ta mère. Ok, cool. Je tenais à te dire merci d'être là pour moi. Hey, j'ai besoin d'un service avant que tu partes. Ce que tu veux. Je veux recouper les activités de l'Underground avec les immeubles où on peut stocker d'uniformes. Tu pourrais pirater les tours de surveillance d'Oscorp ou... C'est fait. Faudra du temps pour affiner la recherche. Aucun problème. Merci. Je vais me dégourdir un peu les jambes, et y aller. Quand tout ça sera fini, je prendrai du temps pour faire du son. Tiens, peu de temps avant que Genki localise Finn. Je devrais regarder si quelqu'un a besoin d'aide sur l'appli.